Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui en rapport avec le Diamond Painting avec une toute nouvelle boutique pour moi. Je n'ai jamais fait de partenariat avec eux. C'est la boutique Art Dot. Art Dot. Voilà, je vous réécris en bas. Alors, cette boutique vend principalement des articles pour ranger au niveau de Diamond Painting. Donc, vous pouvez ranger vos perles, vos DP, etc. Il y a pas mal de matériel. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, j'ai pris mon petit... Oh, pardon. J'ai pris mon petit aide-mémoire pour vous parler de cette boutique, puisque là, je ne la connais pas du tout. Hein, je commence à la connaître, puisque j'ai été sur leur site. Mais je veux dire, je ne sais pas encore tout en détail par cœur. Alors, je vais vous montrer deux articles. Ils m'ont donné le choix de choisir deux articles. Alors, ils m'en avaient proposé deux. Mais le deuxième, je prendrai peut-être par la suite, mais j'ai pas voulu choisir celui-là tout de suite, puisque moi, c'est un article que je ne me sers pas particulièrement. C'était une pochette, enfin, c'est comme un grand classeur pour y ranger vos DP dedans. Bon, peut-être que par la suite, je vous le présenterai, mais là, bon, tout de suite, je préférais vous montrer les rangements pour les perles. Voilà. Alors, je vais également vous mettre en incrustation dans la vidéo un code promo. Donc, ce sera Didit, tout en majuscule. Et en barre d'infos, vous allez retrouver le lien de la boutique. Ce lien va vous permettre de découvrir la boutique, de découvrir les articles qu'ils vendent. Et exceptionnellement, pour une fois, ce lien, c'est un lien d'affiliation. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez aller commander sur ce site, ils vont me rétribuer un petit pourcentage à chaque fois qu'il y aura des commandes sur leur site. Voilà, je ne veux pas vous le cacher, je préfère vous le dire, être transparent. Donc là, j'aurai une petite rétribution minime, hein, vraiment minime, à chaque fois que vous passerez une commande sur ce site. Voilà. Mais de toute façon, le retour de cette rétribution, voilà, me permettra de réinjecter dans les vidéos, dans des articles, dans les concours, etc. Voilà. Je ne les mettrai pas dans ma poche. Voilà, je vais réinjecter ça sur ma chaîne. Mais bon, de toute façon, on n'y est pas. Mais je préfère vous expliquer. Alors, ils ont un site officiel, ils ont une page Instagram, ils ont une page Facebook, ils ont une page Pinterest et vous les retrouvez également sur YouTube. Voilà. Donc moi, tout ça, je vais vous le remettre en barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver. Partout où ils sont. Oui, petite chose que je ne vous ai pas dit, la livraison est gratuite. Voilà, sur ce site. Alors, premier article. Hop. Oui. Ce sont des tiroirs. Voilà. Et dans ces tiroirs, alors, je vais baisser la caméra, vous verrez mieux. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Alors, c'est 4 cubes. Alors, c'est du plastique, hein, dur. Voilà. Et vous allez retrouver les tiroirs. Voilà, je vous retire. Avec 40 petits pots dans chaque tiroir. Voilà. Alors, des petits pots comme ceci. Pour y ranger vos perles. Donc, vous en avez 40 dans chaque tiroir. Et ici, deux en bas, voilà. Alors, c'est des tiroirs qui sont amovibles.
Voilà. Hop, voyez. Donc, on peut les retirer. Alors, je suis en train d'essayer de les retirer. Voilà, comme ça. J'étais pas dans le bon sens. Vous voyez? Voilà. Bon, et cela aussi, bien sûr. Donc, ils se retirent et ils se remettent automatiquement. Voilà. Bon, je les remettrai bien moi après. Mais après, vous les reglissez. Et vous pouvez en remettre encore au-dessus ou en remettre sur les côtés. Je vous montre pourquoi. Voilà, vous avez des petites rainures, comme ça, pour faire glisser. Vous en avez sur le côté également. Et derrière, si vous le souhaitez, vous voyez, il y a des petits crochets ici pour accrocher au mur. Voilà. Ici, le tiroir, vous avez une petite étiquette amovible. Donc, vous pouvez retirer l'étiquette, écrire dessus ce que c'est. Voilà, par exemple, le nom de votre DP. Et ensuite, sur chaque petit pot, vous avez une feuille de petite étiquette comme ça pour inscrire les références ou les numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. et les coller sur vos petits pots. Vous avez également en cadeau avec ces tiroirs, hop, un petit entonnoir comme ceci en silicone. Voilà. Donc avec le bout carré. Donc comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre dans votre pot. Là, je fais des bêtises. Gaston Lagaffe, hein, c'est moi. Faut pas. Hop, votre petit pot. Vous versez les perles dedans. Comme ça, vous n'en mettez pas à côté. Donc voilà. Alors, ces quatre petits, ce lot de quatre petits tiroirs est à 37,99 $. Mais je vous dis, vous avez la possibilité de prendre un seul tiroir, mais bon, à moins que vous ne fassiez qu'un seul DP, hein, mais sinon, deux tiroirs, quatre tiroirs, et vous avez aussi pour 9 tiroirs, un lot de 9 tiroirs. Voilà. Vous pouvez également, dans ces tiroirs, vous en servir pour faire de la réserve de perles. Voilà, c'est pas mal. Au lieu de faire des petits sachets, les petites enveloppes, tout ça, vous pouvez faire votre réserve de perles dans ces tiroirs là donc voilà, moi je les trouve très très bien pour l'instant. Alors je sais pas si c'est Chouchou qui va s'en servir ou si c'est moi, mais bon, il y en aura toujours un de nous deux qui allons nous en servir. Alors, je vous rappelle le prix, 37,99 $. Deuxième article. Oui, elle est grande. C'est une valisette. Alors, le dessin est magnifique, j'adore. Dans les tons rose, bleu, avec des papillons, des fleurs. Elle est vraiment très, très belle. Elle est en recouverte de tissu. Voilà, derrière, pareil. Avec une petite poignée rétractable. Elle est d'excellente qualité. Ça se voit tout de suite. Et vous avez donc ici une double fermeture éclair pour ouvrir de chaque côté. Et voilà l'objet du délit. Vous avez, hop, un premier plateau. Voilà. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 6, ça vous fait 60 pots. Et un deuxième, voilà, pareil, avec 60 pots. Donc, ce sont des petits pots comme pour les tiroirs.
petit pot de plastique avec des couvercles qui se vissent. Là, les étages, c'est de la mousse. Dedans, vous allez avoir des accessoires. Alors, vous avez pas mal d'accessoires. Vous allez retrouver le petit entonnoir. Là, je ne vais pas le déballer, mais c'est exactement le même que celui-ci. Mais là, il est vert. Bon, la couleur, ça, je ne sais pas si vous aurez du vert à chaque fois ou pas. Là, c'est un bleu. Ici, dans le sachet, alors, plein de choses. Une petite raclette comme ceci pour remettre vos perles droites, voilà, ou pour lisser votre papier sur votre DP. Bon, une petite pince, voilà. Alors, attendez, je me rapproche avec la lumière. Une petite pince en plastique noir. Alors, des stylets, on en a plein. Enfin, plein. Vous avez quatre stylets. Alors, d'un côté, ce sera à chaque fois pour une perle. Mais de l'autre côté, vous avez un stylet. Alors, ça, c'est 9, je crois, 9 ou 10. Voilà. Celui-là, c'est 3. Des fois, j'arrive à en glisser 4, moi. Et ces deux-là, est-ce que c'est les mêmes? Oui, là, vous en avez deux pareils. Ça doit être 6 ou 7 perles. Vous avez un petit paquet rempli de petits sachets zippés. Deux plateaux, deux petits plateaux verts, comme ceci. Oups, allez, viens. Alors, de la glu, alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petits carrés de glu rouge. Un très grand plateau avec le bec verseur blanc. Alors, je vous montre par rapport au vert. Hop, je vous mets dedans pour que vous voyez la différence de taille. Voilà. Et des étiquettes. Alors là, d'abord, vous avez une première feuille avec des petites étiquettes blanches, comme ceci. Et vous avez une deuxième grande, là, c'est une grande, avec d'autres étiquettes blanches. Je pense que c'est un tout petit peu plus grande. Oh non, c'est kiff-kiff. C'est presque pareil. Voilà. Donc, ici, alors ça, c'est le truc pour l'humidité. Vous avez une pochette filet, ici, donc où vous pourrez mettre tout votre petit matériel. Et voilà, donc, l'intérieur de la valisette, tout en tissu. C'est un tissu un peu velours. Voilà. La poignée est vissée. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici, vous voyez. La poignée est tenue par 4 vis. Donc, c'est pas collé. Donc, ça tiendra très bien. La fermeture éclair, ben, est nickel. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, vous avez vos deux étages. Hop, qu'on remet dedans. Et deux étages de petits pots. Et après, vous remettez tout votre matériel dans la petite pochette ici. Voilà. Vos stylets, votre pince. On va tout mettre là-dedans. Et les petits sachets. Voilà. Ah, et le petit entonnoir, très important. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez mettre pas mal de matériel. Vous pouvez mettre aussi ici
bah, votre feuille de route du DP que vous êtes en train de faire, ou des DP, puisque là vous avez deux étages quand même de 60 petits pots chacun. Donc en moyenne vous pouvez faire quand même deux DP avec cette valisette. Si vos couleurs ne dépassent pas 60, bien sûr. Bon, si c'est plus, ben là, vous n'en ferez qu'un. Mais vous avez possibilité de mettre plusieurs DP. Alors, si vous mettez plusieurs DP pour la valisette, un petit conseil, quand vous allez étiqueter, moi, je fais toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Je ne mets pas les références de couleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser deux ou trois couleurs, suivant si vous faites pour deux ou trois DP dans cette valisette, pour marquer vos étiquettes. Par exemple, le DP A, vous l'écrivez ici en bleu, le DP B, vous écrivez en rouge, et si vous en mettez un troisième, bah, vous écrirez vos étiquettes en vert. Voilà, comme ça, vous ne mélangez pas vos pinceaux. Donc voilà les deux articles que je vous voulais. Donc sur le site internet, vous allez trouver donc des valisettes comme celle-ci. Alors il y a d'autres modèles hein, en valisette. Vous allez trouver les tiroirs que je viens de vous montrer. Vous avez aussi un petit meuble fixe où vous allez pouvoir ranger aussi tous les petits pots de perles. Hein. Ils seront livrés avec. Vous avez également la tablette lumineuse. Vous avez donc le livre de stockage pour y mettre vos DP. Là, c'est la valisette que je viens de vous présenter. Les tiroirs. Et tablette lumineuse. Bon, et puis il y a d'autres articles. Je vous laisserai visiter vous-même le site pour que vous puissiez mieux découvrir les articles qui y sont. Là, je ne vous ai pas donné le prix. Malheur. Alors, la valisette ici, rose, pour avec 120 pots, comme je viens de vous montrer, plus tous les petits accessoires, elle est à 39,99 $. Voilà. Bon, le prix est aussi pour la qualité. Hein. Elle est vraiment de très bonne qualité. C'est pas du mou en plus. Voilà, c'est renforcé. Non, j'aime beaucoup, beaucoup. Regardez, vous voyez, c'est vraiment de la superbe qualité. Donc, je vous ai montré le sac de rangement rose. Je vous ai montré le rangement avec tiroir. Je vous ai parlé du code promo d'Edith et de mon code d'affiliation. Donc, c'est un lien de parrainage. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour pouvoir faire fonctionner également le code promo. Je vais vous mettre tous les réseaux sociaux où vous pourrez retrouver cette société. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions sur les articles que je vous ai présentés, donc la valisette, hop, je ne les ai pas rassemblés, les tiroirs du coup, et les quatre tiroirs avec le petit entonnoir et ici tous les accessoires dedans et les 120 pots. Si vous avez des questions sur ces deux articles, ben, j'essaierai de vous répondre au mieux. Mais si vous faites vraiment beaucoup de DP ou quoi, je vous conseille vraiment ces tiroirs qui resteront fixes sur votre bureau ou cette valisette. Si vous êtes plutôt à bouger, à aller sur la table du salon, la table de la salle à manger, votre bureau si vous n'êtes pas toujours fixe. La valisette sera peut-être mieux. Mais les deux sont d'excellente qualité, vraiment, tous les deux. Et celui-là, je vous conseille aussi en plus pour faire du stockage de perles.
Voilà, si vous faites du stockage de perles, si vous faites des réserves, c'est vraiment superbe. Voilà, et dans ce cas-là, là sur les étiquettes, vous marquerez vos références DMC, mais par exemple, bon, je vais dire n'importe quoi, hein, de la référence 100 à la référence 200, ici de la 201 à 300. Voilà, vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Donc voilà, bah écoutez, moi je remercie beaucoup la boutique Ardot, voilà. Je remercie vraiment beaucoup, donc c'est Esther qui m'a contactée, avec qui j'étais en conversation par email, voilà. Je la remercie vraiment beaucoup, je la remercie de sa gentillesse. Je les remercie également de... pour ces articles qu'ils m'ont envoyés. Je les trouve vraiment, vraiment, vraiment... Alors, c'est pas parce que je fais une vidéo pour parler d'eux, mais là, je les trouve vraiment nickel, super bien, d'excellente qualité. Donc, je me répète, mais je trouve vraiment ça top, top, top. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et surtout, si vous voulez commander, passez bien par le lien que je vais vous mettre. Pas parce que ça va me ramener... 2 euros ou 1 euro, hein, c'est pas ça le plus important, mais c'est parce que c'est également un lien de parrainage et vous mettez le code DIDIT dans votre commande. Voilà. Bah, je crois que je vous ai tout dit. Hein, voilà. Bon, maintenant, moi, je vais voir où je vais ranger ça. Je vais mettre ça en bas, de toute façon, très certainement. Ça, je pense que si Chouchou ne les veut pas, je vais peut-être les mettre sur mon bureau. Je vous remontrerai mon rangement quand je me serai installée avec ça. Je vous montrerai comment j'ai fait dans une autre vidéo. Voilà, bah écoutez, je suis très heureuse de vous avoir présenté ces articles. N'hésitez pas en commentaire à me poser toutes vos questions, à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi également si vous avez déjà commandé dans cette boutique. Ou si c'est vraiment une nouveauté pour vous. Si vous en avez jamais entendu parler, dites-le moi également. Dites-moi si vous avez déjà ce genre d'article, surtout les tiroirs. Si vous vous servez d'une valisette, bah écoutez, dites-moi tout en commentaire. Je veux tout savoir. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Désolée, vous ne voyez plus ma tête, mais je suis là. Allez, je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.